Ça, on a vraiment du mal à y croire. C'est Mamadou. Alors, on applaudit bien pour Mamadou. Que faites-vous dans la vie, Mamadou? Écoutez, je vis aux dépens de moi-même. Mais autrement, vous avez bien une passion, un passe-temps, un hobby Oh oui. J'aime le sport, la compétition, quoi. Ah, mais quel genre de sport pratiquez-vous Tennis, natation, golf, soit la perche. Non, c'est-à-dire que de temps en temps, dans la case avec ma femme, on fait un golon golon. Ça, je vois un sport, c'est kiff, hein, c'est ça. Écoutez, Mamadou, bienvenue. Installez-vous derrière votre pupitre. Non, Mamadou. Relax là. Non, ça, le jeu n'a pas encore commencé. Il faut d'abord que j'appelle la personne qui va venir ici. Ça va être à côté de vous pour le jeu. Alors, j'appelle le numéro 863. Est-ce que le 863 peut se manifester? C'est bien, c'est bon, c'est bon. Oh, mais bon, c'est bon. Alors, il s'agit de Véronique. Véronique, que faites-vous dans la vie? Je m'appelle Véronique et j'ai 26 ans. Je suis caissière chez Aldi. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. Non, je veux être caissière chez Carrefour. Mais un peu comme tout le monde, vous avez certainement un hobby. Ah non. Non, je n'ai pas de chien. Non, je veux dire, vous avez un passe-temps, une passion. Ah oui, j'adore la grande musique. D'accord, Bach, Beethoven, Mozart. Non, j'adore Stéphanie de Monaco. J'adore. C'est parfait, on ne change rien, c'est formidable. On va commencer. Mais vous saluez le public, ça c'est très fermé de votre part. Ah non, je salue mon mari. On s'est rencontrés à tourner Manet. C'est un bon départ. Ah oui, je trouve aussi. Un bon départ. Alors, on va commencer tout de suite le jeu, là, mais on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... plein les foules. Alors, première question. Qui a immortalisé... Stéphanie de Monaco. Véronique, je vais vous rappeler les bases du jeu. Je pose la question jusqu'au bout, vous me répondez un peu, d'accord? C'est vous qui décide. Qui a immortalisé le grand air de Carmen? La question est finie. Stéphanie de Monaco. C'est pas grave, il y a un petit blocage, mais... Alors, question suivante. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. La bande nazi. C'est pareil, il faut réfléchir un peu, là. Alors, question facile, une question cinéma. Quel acteur a interprété en premier le rôle de James Bond? Non, je vais dire un truc, Sean Connery. Sean Connery, mais c'est une bonne réponse. En forme, hein, Mamadou? Ah oui, en forme, hein. Car si ce soir, je gagne une gourougoulou, hein. Absolument. Alors, une question littérature. Qui a écrit le tableau de La Fontaine? La Fontaine. Très bien. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Allez, question sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi de... Yannick Noah. Bravo! Une bonne réponse pour Patricia. Félicitations. C'était facile. À égalité, on va... Non, pas encore à égalité. On va d'abord vous poser une question technologique. Rassurez-vous là, malgré les apparences, vous allez voir, c'est facile. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Des bisroussos. Dans le doute, on va vous mettre un demi-point. Alors, maintenant, une question littérature. Qui a écrit, attention c'est facile, qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit Les Misérables, allez? Qui a écrit La Valise en carton? Linda de Souza. Voilà, une bonne réponse, bravo. Maintenant vous êtes à égalité, donc nous allons passer aux questions individuelles. Mamadou, je vais commencer avec vous, si vous me permettez. Hein, d'accord. Alors, on est en forme, hein, là, Mamadou? Motivé, hein. Si je gagne, ce soir, une golo golo, hein. D'accord, c'est ça, mais je veux dire, vous avez la pêche, là, hein. La banane, surtout. Mamadou, on va laisser les fruits et légumes un peu de côté, on va jouer. C'est le jeu des personnalités, je vous donne le nom d'une personnalité, vous me dites s'il est blanc ou noir.
D'accord ? Nager de rapidité, attention, il faut être rapide. Alors, attention, top chrono. Michel Blanc. Blanc. Bravo. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Michel Noir. Blanc. Attention, hein. Michael Jackson. Gris. C'était facile. C'était facile. On va continuer à jouer, on va continuer. Regardez tous les jours l'émission, donc ça va être pour vous enfantin. Donc c'est le jeu des couples, c'est dit. Hein, je vous donne la moitié d'un couple, vous me donnez l'autre moitié. Hein, c'est enfantin. Alors, on peut commencer? Vous pouvez répéter la question. Bon, ben, je vais vous donner un exemple. Je vous dis l'oreille, vous me répondez. Hardy. Hardy. Oui, l'oreille est Hardy, hein, c'est... Allez, c'est parti pour le jeu du couple, c'est Roméo et... Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Je dis Hardy. C'était l'oreille, c'était Roméo et... la dernière question qu'on va enfin savoir qui va gagner le gros lot. Un gros lot alors.
gueule. Cool, cool, hein. C'est un jeu. Allez, ça vous brûle les lèvres là! Allez! Oui, lâchez-vous!